dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est vendredi, donc c'est le retour de course. Alors c'est parti, on y va tout de suite. On change pas les bonnes vieilles habitudes et on repart avec nos pizzas de la semaine. Donc toujours chorizo pour mon homme. Moi j'ai changé, j'ai toujours pris une fresh up, mais j'ai pris une royale. Donc voilà. Ensuite, comme j'avais pas beaucoup de surgelés à acheter, je nous ai fait plaisir avec des glaces Häagen-Dazs. Alors, elles étaient en promotion, c'est-à-dire que c'était 40% ou 30% de remise immédiate. Donc, au lieu de les payer 5 € et 4, je les ai payés 3 €. Donc, ça valait le coup. Donc, j'ai pris banane caramel explosion et hazelnut crunch. Alors, je pense que c'est noisette. Je sais pas. Donc, on verra bien. De toute façon, on va goûter. Donc, voilà. Ça va nous faire du bien et ça va nous faire plaisir surtout. Et en surgelé, c'est tout. Il n'y avait pas grand chose à acheter. Je vous retrouve après. Allez, ensuite on continue avec les produits frais. Donc j'ai en premier, comme d'habitude, mon fromage Le Crémeau que je prends assez régulièrement de la marque Pâturage. Il est très très bon. Ça fait, comme je disais la dernière fois, ça fait penser un petit peu au chat ours, pour ceux qui connaissent, en moins fort. Ensuite, j'ai acheté des fraises. Alors j'ai pris des Garriguettes cette fois-ci. Je préfère les sifflorettes, mais il n'y en avait pas. Donc celles-ci, elles n'étaient pas très chères. Je crois que c'était 1,70 € la barquette de 250 grammes, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, ça fait plaisir à Juliette. Et puis moi aussi, j'aime bien les fraises. Ensuite, dans le fromage, on continue avec un camembert pâturage. Ça, c'est pour mon homme. Ben voilà, parce qu'il me l'a demandé. Il me l'a mis sur la liste de courses. Donc je lui achète ce qu'il me met sur sa liste. Ensuite, on a... On reste dans le fromage. Du comté, alors ça c'est pour faire des feuilles de briques. Donc c'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez les feuilles de briques, c'est ça. Voilà, les feuilles de briques. C'est des feuilles toutes fines. En général, on fait les nems avec ça. Et je vais faire des œufs. En fait, je vais casser un œuf dans une feuille de briques, mettre du fromage, la refermer et la faire cuire dans une poêle huilée. Et c'est super beau. Donc du coup, j'ai pris les feuilles de briques. Donc c'est la marque Monique Ranou, il y en a 10 dans le paquet. Et du comté pour mettre avec. Et bien sûr, vous vous en doutez, j'ai pris les œufs aussi pour aller avec, donc toujours les mêmes. Alors là, il y avait une indication à Intermarché, comme à quoi, avec cause de la grippe aviaire, les poules d'œufs donc élevées en plein air, donc les chiffres 0 pour bio et 1 pour celles que je prends, sont malheureusement actuellement confinées dans des espaces, elles n'ont plus le droit d'être dehors le temps que l'épidémie s'arrête, donc bon, ça reste pas des poules élevées en plein air du coup, mais elles mangent quand même une bonne alimentation. Ensuite, dans le fromage, j'ai voulu tester des petits louis. Les petits louis pour Juliette. Moi, je mangeais ça quand j'étais gamine, ça doit être super bon. Et en fait, les petites coques dans lesquelles les fromages sont dedans, c'est des dessins animés de Disney Pixar. Donc, comme j'ai vu qu'il y avait Dory au-dessus, j'ai pris. Ça lui fera plaisir, je pense. Donc, voilà. Ensuite, j'ai racheté du beurre tendre, la marque Pâturage. Après, on passe à la viande. Alors, j'ai acheté des filets de poulet pour pouvoir faire du poulet aux champignons à la crème avec un peu de pâte. C'est super simple à faire et c'est bon. Ensuite, j'ai acheté du filet de poulet doré au four, du filet de dinde doré au four et du jambon supérieur. Enfin, supérieur. À chaque fois, je me fais avoir, je dis supérieur, en fait, jambon avec moins 25% de sel. C'est pour ça que je prends celui-ci. Tout cela c'est pour Juliette en fait, parce qu'elle refuse les autres viandes, tout ce qui va être steak haché, autre viande mixée, elle n'en veut pas, elle mange que de la viande froide en fait, donc je ne sais pas pourquoi, elle n'aime pas ça, elle est végétarienne ça se trouve, c'est elle qui décide, si elle n'aime pas je ne vais pas la forcer. Et ensuite j'ai acheté du rôti de porc cuit, ça c'est pour moi et puis Juliette elle en mangera un petit peu, moi j'adore ça, voilà tout simplement. Alors après j'ai pris une pasta box, enfin extreme box de la marque Sodevo pour mon homme. Parce que moi j'aime pas, parce qu'il y a les fromages que j'aime pas dedans en fait. Il y a du gorgonzola et je n'aime pas du tout, je trouve ça trop fort. Ensuite, des sandwichs à la rosette cornichon, pareil c'est pour mon homme aussi. Donc en général quand je vous dis c'est pour mon homme, c'est ses repas du midi pour le boulot. Il faudrait que j'arrive à trouver un rythme où je puisse lui préparer ses plats pour le midi aussi, ça serait quand même mieux. Ça nous reviendrait carrément moins cher, vous êtes pas mal à me le dire. Là pour l'instant j'essaie de trouver mon rythme pour les repas du soir, du fait que maintenant Juliette mange avec nous.
Chaque chose en son temps. Alors ensuite, on va passer au yaourt. Et il y en a un paquet parce que le frigo était désespérément vide. Pour moi, je me suis acheté des liégeois pommes framboises cassis. Donc en fait, c'est de la compote. Et en haut, c'est de la petite chantilly un petit peu. J'adore ça, c'est super bon. Ensuite, il y a... Alors là, j'ai voulu me faire un petit plaisir d'enfance. Je me suis acheté des flans. Vous savez, les flambis. Bon, c'est pas la marque Flambi, c'est la marque Intermarché. Et eux, ils sont plus compliqués parce qu'ils n'ont pas la languette. Mais je m'en fiche, je les démoule pas, moi. Mais j'avais une envie de flan comme ça. Donc j'en ai pris 8. Hop. Celui-là, j'ai été obligée de le casser pour que ça rentre dans mon sac. Donc voilà. Pour Juliette, il y avait du fromage blanc en promotion. Comme elle l'adore, je lui en ai racheté. Pour moi, j'ai acheté des yaourts crème stracciatella. Alors ça, c'est juste énorme. Tout simplement. J'adore. C'est du yaourt à la vanille avec des petits râpés de chocolat. En fait, c'est super bon ça. Je me suis fait plaisir cette semaine. Pour mon homme, des pâturettes avec des petites billes de chocolat à mettre dedans. Vous voyez, comme ça là. C'est un vrai gamin, il adore ça. Donc du coup, j'en achète. C'est pas mauvais en plus ça. Hein. Et il avait demandé aussi, en fait il m'a demandé 8 yaourts, donc je lui ai pris ceux-là, il y en a 4. Et ensuite je lui ai pris les feuilletés de mousse, la laitière à chocolat menthe. Alors moi j'aime pas ça du tout, mais alors lui il adore. Donc du coup comme ça, ça me permet de lui faire plaisir au niveau des desserts. Parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes goûts tous les deux au niveau de l'alimentation. Et en dessous, il y avait des yaourts brassés nature bio en promo. Alors bien entendu j'ai pris dès que je peux prendre du bio pour Juliette, je le fais. Donc du coup c'était le même prix que les normaux puisqu'ils étaient en promotion, donc voilà. Donc c'est des yaourts brassés nature, tout simple. Elle adore ça le midi. Quand je les sors, elle est hyper heureuse. Donc du coup bah voilà, tant que je peux lui faire plaisir. Ensuite on a la salade. Donc là j'ai repris de la mâche parce que j'en avais envie. Et comme on va la manger ce week-end, la date elles allaient tout assez loin pour que je puisse prendre ce que je veux en salade. On va continuer avec tout ce qui est légumes frais. J'ai acheté un concombre. Cette semaine, je vais faire une salade de riz, avocat, concombre, thon avec un peu de mayonnaise. C'est une tuerie. Je mets des tomates aussi. Donc du coup, j'ai acheté le concombre. J'ai acheté les avocats. Donc je les ai pris exprès, pas trop mûrs parce que c'est pour la fin de la semaine. Donc j'ai pas envie qu'ils se mettent à pourrir avant qu'on les mange. Ensuite, pour Juliette, j'ai racheté des carottes parce qu'il me reste des navets dans le frigo et elle adore la purée carotte navet. Donc du coup, j'en ai racheté. J'ai repris également pour Juliette des courgettes parce que ça fait partie de ses purées préférées avec des champignons. Elle adore ça. Donc comme elle est un peu difficile en ce moment au niveau des repas, je prends ce qu'elle aime. Voilà. Ensuite, j'ai acheté pour mettre dans notre salade des tomates qui ont l'air d'être très belles, qui sentent très bon et qui ont l'air d'être quand même pas mauvaises. J'ai acheté des champignons, ça c'est pour faire notre poulet aux champignons et à la crème. J'ai racheté de la crème liquide parce que si on fait un poulet aux champignons, il faut acheter de la crème. Donc là, avant je prenais de la semi-épaisse, j'en ai un peu marre. Alors du coup, j'ai repris de la crème entière, la même, mais de la liquide cette fois-ci. Voilà, parce que j'avais envie. Et voilà. Bon, et ben au niveau du frais, ça y est, on a fini. Donc je vais tout ranger et je vous retrouve après pour la suite. Allez, on continue pour la fin des courses. Alors, j'ai racheté des gâteaux pour Juliette, j'ai voulu en changer. J'ai trouvé des gâteaux, ça s'appelle les panda croque. Donc ils sont pas fourrés au chocolat, mais il y a des petites parties du panda qui sont au cacao maigre. Donc j'ai regardé, c'est quand même moins sucré que certains gâteaux qu'on achète. Donc on va essayer, on va voir si elle aime. Je lui ai quand même repris ce qu'elle adore par-dessus tout, c'est ceux-ci. C'est vraiment, pour l'instant, au niveau de ses gâteaux préférés, c'est ceux-là. Ils sont bons, elle a tellement raison, tellement que c'est bon. Ces petits roulés avec du chocolat à l'intérieur, tout simplement. Mais dedans, là, vous avez un peu de croustillant et... Enfin, voilà, elle adore ça. Donc, je lui fais plaisir, le goûter, c'est un moment de plaisir pour moi. Ensuite, je me suis acheté des gâteaux. J'ai trouvé des bio au même prix que les marques. Alors du coup j'ai pris du bio Intermarché, c'est des sablés aux céréales, chocolat au lait, c'est un peu comme les granola, ceux qui connaissent. Donc voilà, ils sont vraiment très très bons, j'en avais déjà goûté une fois. Ensuite j'ai acheté du sucre en morceaux, ça c'est pour nous, c'est pour mettre dans notre café.
Alors ensuite, ça y est, j'y ai pensé, j'ai acheté des galettes sarrasin et boulgour à l'emmental. C'est la marque Céréales Bio, ça se vend pas au rayon frais, j'étais étonnée, je pensais que comment ça se vendait au rayon frais et non. Donc c'est l'avantage c'est que ça se garde longtemps, donc en fait je vais faire, si on aime bien, je ferai du stock pour être sûr qu'il y en ait. Parce que dans mon intermarché, il y a très peu de choix en... en galette sans viande en fait. Donc j'ai pris sarrasin boulgour. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien. Et si on aime bien, on testera d'autres choses. Et puis voilà, donc ça on doit le manger avec des patates je crois, un truc comme ça. Donc ça. Ensuite, je me suis racheté des pastas pots parce que j'ai bien aimé la dernière fois. Bon, c'est pas c'est pas du 4 étoiles, hein, c'est du repas d'appoint. Hein. Mais j'ai trouvé ça pas mauvais, donc du coup, j'ai racheté, je vais tester champignons pour ce midi. On verra ce que ça va donner. Ensuite, j'ai enfin trouvé des pommes potes pour Juliette, sans sucre ajouté, alléluia, en pack avec plusieurs parfums différents. Dedans, il y a 12 gourdes, il y en a 3 natures, 3 fraises, donc pommes nature, pommes fraises, 3 pommes poires et 3 pommes bananes fraises. J'ai payé ça 4,50€. Ça fait des économies, hein, quand... moi, avant, je les achetais au rayon bébé parce que dans mon rayon Intermarché compote normal, je ne trouvais pas des gourdes sans sucre ajouté hors pommes. Donc, elle aime bien les goûts, elle aime bien les compotes, mais à un moment donné, la compote de pommes, elle en a un peu marre. Donc, c'est celle-ci. Donc, je dis, il y en a 12 dedans. Donc, on va tester, on verra bien ce que ça donne et si ça lui plaît. Je vois pas pourquoi ça lui plairait. Ensuite, j'ai racheté de la moutarde. Alors, on prend de la mi-forte parce qu'on l'aime bien. On la met toutes les sauces, en fait, la moutarde. On la met dans les lentilles, on la met dans les faillots. Et du coup, j'aime pas quand ça pique. J'ai racheté... de l'anticalcaire pour la machine, donc je prends la marque Apta et non pas Calgon, tant pis, je vois pas pourquoi ça serait pas moins efficace que le Calgon. Après s'il y en a qui ont eu l'expérience que ça ne fonctionnait pas contrairement aux autres marques, ben n'hésitez pas à me le dire. En tout cas moi depuis que j'ai ma machine à laver, ça va faire 6 ans, 7 ans, elle marche toujours très bien, donc j'ai acheté ça. Ensuite, il y avait toujours la promotion de la marque Sobio en savon, alors j'ai sauté dessus, j'en ai repris, c'était 40% de remise sur la carte. Là j'ai changé, le premier coup j'ai pris fleur d'oranger argan et là j'ai pris au lait d'anès. Donc je vais essayer, ça sent très très bon, j'aime beaucoup. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans comme parfum ou si le mélange de tout ce qu'ils mettent à l'intérieur fait que ça sent très bon. Donc voilà, je sais que depuis que j'utilise l'autre, la fleur d'oranger à l'argan, j'ai beaucoup moins la peau qui me gratte et qui tire quand je sors de la douche, donc c'est génial. Ensuite j'ai racheté pour Juliette la Nestlé Petit Céréales pour le matin. Elle aime toujours autant, ça lui fait plaisir, donc je lui prends. Elle a choisi miel, je lui ai expliqué les parfums et elle m'a montré le miel. Je sais qu'elle l'aime beaucoup celui-là. J'ai racheté des chewing-gums pour mon homme. Alors je lui ai pris les tout fraîches de Hollywood, parfum menthe fraîche, menthe forte. Je me souvenais plus ce qu'il avait dans sa voiture. Je sais qu'il aime bien les trucs qui piquent comme ça, donc du coup je vais racheter cela. J'ai racheté de l'eau de Javel en berlingot. Alors en fait à la base je voulais acheter un bidon de 2 litres avec un bouchon sécurité dessus. Ça n'existe plus, les bidons de Javel avec des bouchons sécurité dessus. Je trouve ça tellement dommage. Alors Juliette n'y a pas accès, mais j'aimerais quand même qu'il y ait ce bouchon là. On sait jamais où... voilà, il n'y en a plus. Donc du coup la Javel elle va changer de place et je vais la mettre super haut parce que suffit qu'une fois elle y aille. Bon, d'ici qu'elle arrive à ouvrir le bouchon on a le temps, mais je veux pas prendre le risque. Donc du coup j'ai racheté des recharges Javel Apta. C'est ça qui embaumait mes courses. C'est à l'eucalyptus en fait, parce que j'aime bien que ça sente autre chose que la Javel. J'ai acheté du déodorant pour les toilettes. Alors maintenant, je prends cette gamme-là pour Intermarché avec la petite tête comme ça. Je trouve que c'est celui qui fonctionne le mieux et qui neutralise le mieux les odeurs. Donc là, j'ai pris Vanille des Tropiques. C'est la première fois que je le prends, on l'a jamais essayé. Donc on va voir. Et ensuite, on termine avec l'eau de Juliette.
Et j'ai racheté de l'épars parce que j'ai l'impression que, d'après ce que j'ai lu dans le dernier magazine Parents, je suis un peu en manque de magnésium. Donc du coup, il y a beaucoup de magnésium là-dedans et ça me sert un petit peu pour Juliette parce qu'elle a tendance à être un peu constipée, petite mère. Donc du coup, j'utilise ça aussi. Et voilà, et puis c'est tout. Dans ma voiture, il reste un paquet de litière pour le chat. Oui, nénette. Et un gros pack de lait. Maintenant, comme Juliette boit le même lait que moi, bah, du coup, il faut que j'achète un peu plus de lait normal que je me fasse pas avoir. Merci, elle est en train de me donner tous les sacs que j'ai laissé traîner par terre. Merci. Parce que je lui ai dit que j'allais les ranger et je les ai pas rangés. Merci. Voilà, je vais les ranger, d'accord? Tu vas jouer, j'arrive. Donc voilà, et bien c'est tout, j'ai terminé. Donc maintenant, comme d'habitude, je range. Et puis voilà, en attendant, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas la vidéo de la FAQ qui est sur la chaîne si vous voulez poser vos questions. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !